Good morning, Alaïda, Netsus, aujourd'hui, les longs nishmat, Abraham Chayin, Robert, Ben Fortuné, Mazal, Rachamim, Ben Rosa et Yedida Batester. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étions à Maseret Erchin, Perik He, Mishnah Bet, Dmei, Yadi, Alaï. Shamin Oto, Kamahu, Shave, Beyad, Vekamo, Shave, Beloyad. Ze, Chomer, Banedarim, Mi Ba'arachim. Ve Chomer, Ba'arachim, Mi Banedarim, Keitzada, Omer, Ki Alaï, Vamet, Yitma, Yorshin. דמי עליי ומת לא יתנו יורשים שאין דמים למתים ערך ידי וערך רגלי עליי לא אמר כלום ערך ראשי וערך כבדי עליי נותן ערך כולו זה הכלל דבר שנשמה תלויה בו נותן ערך כולו On commence par traduire d'abord la première partie de la Mishnah. On l'organise bien, après on va devoir avancer toute la Mishnah d'un coup. Tout d'abord, Dmei Yadi Alaï, celui qui fait le vœu de donner la valeur de sa main. Il a eu sa main qui a été sauvée d'un accident, il a payé la perte. Il dit, je vais donner la valeur de ma main au Beth Amikdash. Mais là, on ne parle plus que dans la Mishnah précédente où on parlait de donner le poids de sa main en chair et qu'on allait se débrouiller pour évaluer combien ça pèse et donner ça en valeur d'or ou d'argent ou peu importe. Non, là, on va parler de la valeur de sa main. On a le marché des esclaves, donc on peut évaluer. C'est pour ça que la Mishnah enseigne, bien, Shaminoto, on va l'évaluer au marché des esclaves. Et comment on va faire? Kamo Shave Beyad, combien cet homme vaut avec sa main? Vekama ou Shave Beloyad. Et combien est-ce qu'il vaut sans la main? Alors. Et donc, après on va faire la soustraction et on aura le prix exact de la main apparemment. Mais il faut apporter une précision super importante. C'est que vendre un esclave sans la main, ça peut être interprété de deux manières. Sans la main, c'est qu'on l'a amputé la main. Ou sans la main, c'est que la main, elle est restée. Elle appartient à quelqu'un d'autre. C'est très important ce qui se passe. Il y a. Dans les Nézakim, par exemple, lorsque on m'a coupé la main, Chas v'Shalom, eh bien, la Gemara dans la Bava Kamma nous enseignait qu'on va évaluer le prix de la main grâce au marché des esclaves. Combien coûtait un esclave comme moi, 1m80, 80 kilos, un peu plus, mais c'est pas grave. Et combien cet homme-là, sa force, sa donne, combien est-ce qu'il coûte avec la main? Et puis après, on va faire le même esclave s'il était manchot. Et donc, on va avoir le prix de la main. À cause de ça, il n'a plus pouvoir faire toutes sortes de travaux, donc sa valeur elle va forcément diminuer. D'accord? Comment il va donner un cours de Mishnah s'il ne va pas utiliser ses mains qui parlent? D'accord? Donc, combien coûte un esclave? Et c'est comme ça qu'on évalue le prix d'une main d'un esclave lorsqu'on lui a coupé la main, qu'on lui a endommagé la main. Maintenant, dans notre mission, on ne parle pas de ça. On parle qu'on va, évaluer l'esclave si on le vend entièrement ou si le propriétaire le vendait, mais en se gardant la main pour lui. Il va le vendre entièrement sans la main, c'est-à-dire les vendant entièrement, mais la main, elle reste la propriété du propriétaire. D'accord? Et là, on va arriver à une différence beaucoup moins violente. Dans la mesure où, concrètement, imaginez un homme, s'il lui manque un pied, vous êtes d'accord que la moitié de sa valeur est partie. Mais ça ne veut pas dire que le pied, il va aller toute la moitié de la personne. Parce que s'il n'avait pas eu un bras aussi, il aurait perdu la moitié. Et s'il lui manquait l'autre bras aussi, il aurait perdu la moitié. Donc quoi, finalement, il a deux pieds et deux bras, donc ça veut lui faire que maintenant, il va coûter deux fois le prix de son prix. C'est un problème, vous comprenez, j'ai raisonné par l'absurde, mais c'est très important à comprendre. C'est-à-dire, quand on veut calculer le prix d'une main, on peut calculer le prix d'une main en rapport avec tout le prix du corps. Disons, si ce corps-là, tel qu'il est, il coûte 1 million... Eh bien, on va calculer si le propriétaire gardait la main que pour lui, s'il gardait les deux mains pour lui, s'il gardait les deux pieds pour lui. Et là, on va arriver comme ça. Alors, on aura l'avantage que l'esclave, il va continuer à fonctionner de la même manière, il va faire les mêmes travaux. Il va pouvoir percer en utilisant ses deux mains. Un, avec une main, il tient le clou et l'autre main, il frappe. Il a les deux mains qui fonctionnent. Seulement, il y en a une qui appartient à l'un et l'autre qui appartient à l'autre. Là, comme ça, on va pouvoir arriver à une vraie estimation de la main telle qu'elle est. Parce que lorsque j'ai décidé que j'allais donner la valeur de ma main au Beth Amikdash, je n'avais pas dit que j'allais me faire amputer la main pour l'offrir au Beth Amikdash. J'ai juste dit que maintenant, la valeur de la main, donc c'est comme si le Beth Amikdash, il était propriétaire de cette main, et moi-même, je reste propriétaire de tout le reste. Et ensemble, avec mes deux mains, on réussit à fournir toutes sortes de travaux, et donc c'est comme ça qu'on va faire l'évaluation si ça reste au propriétaire. Voilà, tel que ça, c'est comme ça que c'est interprété dans le Bar Tanoura. Ça vient de la Gemara, j'ai juste un problème technique, j'ai cherché, tant bien que mal, dans les Mefarshim que j'ai pas ouvert ce sont des livres, mais dans les Mefarshim que j'ai pas trouvé d'explication assez claire. J'ai pas réussi à comprendre qu'est-ce que ça veut dire que je vends mon esclave, mais que la main reste la main, elle reste la mienne. Et après, qu'est-ce que je fais? Ça veut dire quoi? C'est quoi s'il a accueilli des fleurs avec la main droite, alors ça appartient à lui, et avec la main gauche, ça appartient à l'autre?
Qu'est-ce que ça signifie exactement? Quand il va se mettre à travailler avec ses deux mains, il va taper à l'ordinateur. Alors, une lettre sur deux, ça appartient à moi, l'autre lettre sur lui, c'est... Comment on se partage? C'est quoi? Il n'y a pas que la main qui tape, il y a aussi la tête qui fonctionne, il y a la posture avec le dos qui reste assis en train de taper à l'ordinateur. Comment on calcule le prix de la main, quoi? Est-ce que... Peut-être qu'on va calculer en pourcentage, ça fait l'équivalent de 10% du corps de la personne. Ça me manque, j'ai pas eu d'informations sur ça, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. D'accord? C'est dommage, j'ai pas pensé à vérifier à cette question au Beth Midrash en fait. Où là-bas, il y a, je vous ai déjà parlé de ce chasse Art Scroll, le bleu. Comme il y a le chasse, la Schottenstein, là, pour les Gmarot, eh bien, que j'utilise pas tellement, bah, au prochain. Mais ils ont fait des Mishnayot comme ça, qui sont extraordinaires, comment c'est interprété là-bas. À l'occasion, j'espère que j'ai pensé à regarder. En tout cas, si vous avez l'occasion d'être dans un Beth Midrash, de voir un set de Mishnah bleu comme ça en Art Scroll, en hébreu, oui. Là-bas, ils expliquent tout merveilleusement bien. Peut-être que là-bas, ils vont traiter la question. Je suis quasiment sûr que s'il y a quelqu'un qui a parlé, que ce sera porté là-bas. Pour le moment, on a fini avec la première partie de la Mishnah. Donc, on a calculé que lorsque je fais un vœu de ma main, je dois donner ma main. Le principe de la Mishnah va être maintenant de continuer sur les lois des Arachin. Arachin, c'est donner la valeur fixée par la Torah. Je vais vous dire à l'oral d'abord tout ce qui va, le principe qu'il va y avoir dans la Mishnah. C'est que pour la valeur marchande du corps humain, alors on peut calculer chaque chose. Le prix d'un doigt, le prix de deux doigts, le prix d'une main, le prix d'une tête, le prix de plein de choses. Mais lorsqu'on va calculer le RR de la Torah, le RR, c'est la valeur estimée de la Torah, et que je vais vouloir donner la valeur, mais juste de ma main, et bien là, on va se retrouver avec une règle simple, qu'il faut juste comprendre, c'est clair. C'est que si c'est un membre, chez En Aneshama Tluyabo, un membre qui n'est pas vital, le membre en soi-même n'a pas de valeur. Alors que si c'est un membre vital, donc sans le membre, on meurt, alors le membre aura toute la valeur. Je m'explique. Un homme entre 20 ans et 60 ans, coûte 50 slaïm, 50 dinars kesef. Ouais, ça n'existe pas de donner un seul membre, de donner la valeur d'un membre, il n'y a pas de valeur d'un membre. Il y a la valeur de l'être humain, en fait. Donc, une main, ça n'a aucune valeur. Question par rapport aux valeurs établies, le barème établi par la Torah, ça n'aura aucune valeur. Maintenant, il y a malgré tout, si je vais donner un membre de mon corps, je vais vouloir donner le RR de ce membre, mais que c'est un membre, chez Neshama Tluyabo, qui est vital, que si on me le prenait, on mourrait. Par exemple, le cœur, par exemple, la tête, par exemple, le foie, la Gemara, la Mishnah l'avait exprimé. Donc, si on lui supprimait, il mourrait, puisqu'il va mourir lorsqu'il a donné ce membre-là représente toute la valeur du corps. Et c'est en cela, en fait, que la Mishnah va vouloir comparer la halakhot des Nedarim et des Arachim. Que dans les Nedarim, on va se retrouver avec, finalement, la valeur beaucoup plus, pragmatique, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, la valeur beaucoup plus ponctuelle du membre lui-même. Alors, selon la valeur, ça va soit être beaucoup, soit être peu, mais en tout cas, on donnera toujours le membre exact. Tandis que dans les Arachim, alors ça va varier, des fois on va donner tout, des fois on va donner rien. Et sans ça qu'on va comparer les Arachim au Nedarim. Et la Mishnah donc me dit, « Zeh chomer ba Nedarim et ba Arachim. » Telle est la particularité, la chumra, la halakha plus stricte que tu trouves dans les Nedarim plus que dans les Arachim, parce que si dans les Arachim tu voulais donner la valeur de la main, en erer, selon la valeur symbolique préétablie par la Torah, et bien dans ce cas-là tu ne donneras rien. Maintenant, sache qu'il y a aussi la réciproque. Il y a aussi une halakha, un domaine dans lequel on va se retrouver avec les arachim qui vont être plus strictes que les nedarim. Et là, on va le découvrir tout de suite. Il y a encore un autre cas de figure qui est Haomer Erki Alai va mettre celui qui a dit que je vais donner ma valeur et il n'a pas eu le temps de mettre la main à la poche qu'il est mort. Eh bien, Itnu Ayurshin, les héritiers devront donner. Tandis que s'il a dit Damai Alai va mettre. Par contre, s'il a dit qu'il va donner sa valeur en éder et qu'il est mort, eh bien, les héritiers ne donneront pas. Pour quelle raison? Parce que chez Endamim, la métim. Je vous explique, c'est très simple. Il y a une halakha. Lorsqu'on fait on va commencer par le cas le plus simple, en fait, qui est les nédarim. Lorsque je fais, vous avez bien retenu le principe, lorsque je fais un éder, un vœu stam, ça implique que je vais donner ma valeur marchande. Donc, marché des esclaves. Marché des esclaves, alors là, il y a quelque chose de très original qui va se passer. C'est que si j'ai fait combien est-ce que je vaux, peut-être que d'ici que je vais partir
chez le Cohen, quand il va m'estimer, peut-être que je vais baisser, peut-être que je vais tomber malade, peut-être que mes muscles vont devenir plus forts, au contraire même. Alors, il y a une halakha qui me dit comme ça. Lorsque tu veux donner ta valeur, lorsque quelqu'un va donner sa valeur, l'estimation va aller selon le moment où le Cohen va l'estimer concrètement. Pour la valeur des nedarim, la valeur marchande. De ce fait, on se retrouve avec une halakha un peu particulière. C'est que, si j'ai dit que j'allais donner, pas moi, quelqu'un il a dit qu'il allait donner sa valeur, en neder, sa valeur marchande. Et que le Cohen n'a pas le temps d'estimer que le pauvre, il est mort. Maintenant, il ne vaut plus rien. On ne peut tirer aucun profit même du corps du défunt. C'est interdit d'en tirer profit. Il y a eu un hekesh. On n'a pas le droit de tirer profit d'un mort. Là, j'ai évoqué. Donc, on n'a pas le droit de prendre ses membres. On n'a pas le droit de dire. On a déjà évoqué le principe dans la jurim. Et donc, le corps n'a plus aucune valeur. De ce fait, les héritiers ne devront rien donner parce qu'il n'y a plus rien à estimer. Il a dit qu'il allait donner sa valeur, combien est-ce qu'il vaut ? Zéro. Donc il ne vaut rien. Tandis que s'il avait la promesse de donner un RR, son RR, sa valeur, selon le barème préétabli par la Torah, et qu'une fois qu'il est mort, il a déjà eu l'occasion de voir le Cohen, mais le Cohen ne l'a pas estimé pour savoir combien est-ce qu'il vaut le nouveau dans l'âge, mais malgré tout, il est déjà venu voir le Cohen, et bien désormais, s'il est mort, les héritiers devront donner de ses biens, des biens qu'il a légués, qu'il a laissé, ils devront donner de ses biens la valeur qu'ils devaient donner selon le RR. D'accord ? Voilà, c'était pour cette petite comparaison des Arachim par rapport aux Nedarim, où il y a une Khumra dans les Arachim plus que dans les Nedarim. Dans le début de la Mishnah, on a dit que, regardez, quand on veut donner la valeur de la main, alors on va être plus strict par rapport au des Nedarim que des Arachim, parce que dans les Nedarim, il va falloir payer le prix de la main, tandis que dans les Arachim, on ne donne rien. Et il y a un cas de figure inverse où dans les Arachim, ils devront payer, et dans les Nedarim, ils seront dispensés de payer, qui est donc le cas où il a fait le vœu de donner sa valeur. Et la Mishnah continue en me disant maintenant, pour me compléter la première partie de la Mishnah, c'est une Mishnah un peu mal présentée, enfin je sais pas pourquoi je vais dire mal présentée, mais en tout cas, présentée pas comme ce que moi j'aurais préféré la présenter. Il y a sûrement une raison profonde pourquoi c'est comme ça, mais en tout cas voilà. Erech Yadi ve Erech Agliyala, et la Mishnah revient sur le loi d'Arachin en me disant, si tu as fait le vœu, donner la valeur de ta main, le Erech de ta main, ou le Erech de ton pied, puisqu'on peut les couper et continuer à vivre, lo amar klum. Il n'aura rien dit, il devra rien donner. Parce qu'ils n'ont pas la valeur selon le barème établi par la Torah. La Torah a fixé la valeur pour un être humain. Je comprends que le prix établi par la Torah, il est plus spirituel en fait. Donc en fait, il n'y a pas de valeur spirituelle à la main par rapport à préétabli par la Torah. Tandis que s'il a dit Erech Roshi, la valeur de ma tête, sans tête, vous savez quand on meurt. Ve Erech Kevedi Alai, ou encore le Erech de son foie. Il s'est engagé à le donner. Dans ce cas-là, Noten RR Kulo. Il devra donner le RR entièrement de lui. De lui entièrement. Combien est-ce qu'il vaut ? Zéaklal, telle est la règle. Davar Shenishamat Lo Yabo, Noten RR Kulo. Un membre dont la vitalité dépend, Shenishamat Lo Yabo, que la Neshama, l'âme, donc la vitalité dépend de lui, que si on le supprimait, il mourrait. Donc le membre, si tu as fait le vœu de donner ce membre, le RR de ce membre, eh bien, il faudra donner la valeur entièrement du barème établi par la Torah, 50 pour les hommes adultes, 30 pour les femmes, et ainsi de suite, 20, 10, et 5, 3, et au-dessus de... D'accord ? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de la Sakhra Koltou.